Yon lot pa genyen commissaire gouvernement AI bon côté tribunal première instance à Port-au-Prince nan met Jacques Lafontaine commissaire gouvernement AI et nan yon note ki pote date 27 novembre mais ça dit communiqué pour la presse commissaire gouvernement bon côté tribunal première instance Port-au-Prince nan fait public lan général konnen et parole et monsieur jeudi Charlot en particulier qui mouri dans la nuit 24 pour 25 novembre nan la Kaili nan Vivi Michel gen yon enquête qui déjà l'ouvri et sous la mort et à partir de délégation pouvoir li bay DCPJ nan date 26 sous ça et gouvernement et de ça qui doit mettre qui si jeudi peut qualifier la mort de décès tragique. Il profite de l'occasion ça pour inviter parents défunts pour porter plainte. Et pour communiquer toute information qui est utile et qui est nécessaire, particulièrement, il parlait de procès verbal constat, l'air de jeune Kora, et puis adresse dans qui pompe fin et information ça yo a permettre commissaire gouvernement faire lumière et sous et cas d'après ça li fait connaître et c'est maître Jacques Lafontaine commissaire gouvernement AI et qui signe notre communiqué de presse et concernant disparition ça nous te parlons de réaction ambassade de France organisation qui a défendu droit monde sous dossier ça qui déplorait façon militant et défense droit homosexuel en Haïti disparaître subitement mais tout gen ambassade américaine dans Port-au-Prince qui regrette la mort prématurée monsieur Charlot jeudi président organisation courage ambassade américaine nan dit nous regrette sincèrement la mort défenseur infatigable droit moun ça et à justice en Haïti défenseur droit moun et justice et nous croit mémoire a arrêté il y a toujours songé passage dit et ça t'est fait à travers valeur à principe et que il était consacré ville pour te défendre d'après sa ambassade américaine écrit non communiqué de publié sous compte Twitter. Et puis nous gagnons organisation tant que j'éclairé RNDDH et avec l'autre organisation encore qui a pas défendre droit monde et qui paraît en communiqué et dans occasion ça pour déplorer dit enquête à l'ouvrir pour faire lumière et sous et disparition
L'autre point dans l'actualité, c'est le dossier sur général. Il faut que nous disions un référé expliqué dans la deuxième invitation. Même j'ai été fait la semaine passée. Et cabinet avocat Jovenel Moïse engagé pour défendre et, l'État haïtien dans le dossier sur général. Il y a même été présent ensemble avec le commissaire gouvernement haïtien. Maître Ephésien Joassin, qui c'est youn nan avocat yo, qui membre conseil défense l'État haïtien, voyez jeter recours préventif dirigeant sous général yo, yo fait devant la justice, et côté parler de menace arrestation qui pendie et sou yo nan cadre convocation ça, selon considération maître Ephésien Joassin et fait nan micro nou. Et dit faire connaître responsable compagnie Sogenerio qui pas présenté devant chef paquet agent même d'attend ni mettre Jacques Lafontaine de marche faire pas grand qu'une justification selon la loi et selon avocat et un autre bord mettre Joassin mandé et pour commissaire gouvernement à Port-au-Prince pour en absité disposition la loi prévoit dans quatre affaires ça n'attend des réactions mettre Ephésien Joassin, qui te parle comme ça dans le micro, reporte-nous Hervé Noël. Au bout de l'invitation une fois de plus, nous ne pas représenter ni papa ou même ni par avocat. Et donc, le commissaire lui-même, nous avons demandé de prendre acte de ça et qu'il puisse faire ce que le loi. Parce que le commissaire a demandé au monde, parce qu'on plaît aussi importante déposer devant le commissaire du gouvernement, qui est le chef de poursuite pénale. Donc, il dit à malgré les gens pour le avec eux, ça y dit dans plein temps, est-ce qu'il y a un fondement avant de voir devant le cabinet d'instruction. Nous n'avons pas décidé de venir, donc le commissaire gouvernement nous-mêmes nous dit, la fait ça la loi dit. Parce que si la justice est là ou pas venir, donc la justice est capable de faire venir. Donc nous pensons que le commissaire gouvernement lui-même dit, la loi n'a mené pour faire les gens venir, dire pour qui raison ou pas venir. Donc c'est ça. Mais vous comment vous présentez devant le doyen? C'est l'unité juridique. Comment on commence le gouvernement son plainte qui nous pote et qui vient des faits aussi graves, lui invite maintenant pour le venir et puis vous font recours préventif. Préventif de quoi? Pas de mandat contre maintenant. Préventif de quoi? Si on m'a entendu, je ne sais pas où tout. Mais si le commencement américain doit mourir. Ça le dit, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où parce que je me dis si la justice est là, je ne sais pas où et puis pour le faire action, pour le dire, pas venir. Mais tu estimes que tu es capable de menace de. Non, c'est pas vrai. Nous avons tout ça, les mal lu article. Il faut la relire. C'est pas comme ça. Ça va faire tout comme ça. Non, c'est pas ça l'article. Mais qui c'est l'article là? Donc, moi, c'est monde qui évoque l'article là. C'est pour dire cet article là, il ne va pas le dire. Mais le fait est que la justice, le commissaire gouvernement, qui est saisi d'une plainte pénale, l'y invite. Nous contre lui-même nous côté plainte là ou bien nous pour le garder avec eux fondement plainte parce que l'élève plainte la cabinet d'instruction juge d'instruction parle sur pour lui l'élève tourne dossier à Bali s'il dit gain lieu pour poursuivre alors qu'il pas gain document en main il pas gain en main et ben qui elle va soutenir l'accusation c'est pour ça l'élève nous pour le garder pour le fondement plainte là parce que suivant la loi et la procédure pénale pays nous commissaire du gouvernement il joue ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Ça voudrait dire que si on plaide vient devant, la va analyser, le regarder est-ce qu'il y a lieu à poursuite. Et si pas gain lieu, il classer. Donc c'est normal pour parler à mon pour garder pour voir est-ce que il y a fondement dans plainte là, si pas de fondement pour classer ou pour avancer. Mais si mon n'a pas venir, on présomption que ou cru ou coupable, si pas le venir. Oui, donc pas de question habeas préventif. Pas gagné par les ça dans ça. Bon, ça c'est le support. Nous-mêmes, en tant qu'avocat, nous connaissons, ça n'a pas existé. Pas gagné recours contre ou invitation au commissaire au monde. Voilà, maître Ephésien Joassin, un cabinet avocat qui joue un contrat avec le gouvernement dans le dossier ça. L'autre avocat que tout le monde connaît, maître Newton Louis Saint-Just. Qui dénonçait le fait que ce génère n'est pas représenté avec toute l'autre personnalité de convoqué dans le dossier ça pour une deuxième fois. D'après ça, il dénonçait, dit même ça avec
et commissaire gouvernement à IAN. Invitation ça entrer dans cadre conflit qui mettait face pour face Jovenel Moïse ak compagnie et Sojourner là et accusation yo tout pour connait yo et dans cadre et situation ça et gagné après environ 2 heures de temps yo dit t'attendre mettre Ephésien Joachim sur temps de là ak mettre Newton Louis Saint-Just qui c'est deux avocats qui défendent et gouvernement déclaré yo déposer une requête devant et commissaire gouvernement à IAN M. Jacques Lafontaine et requête si la mandé pour paquet Port-au-Prince à travers UCREF ak UCC ULCC saisi organe international qui impliqué dans combat contre blanchiment l'argent à crime financier pour identifier n'a cité qui côté responsable compagnie Sojourner yo gagnent bien à travers le monde pour saisi yo d'après maître Newton Louis Saint-Just Demasila conforme à la loi 9 mai 2004 dans les cités, il dit qu'il traitait de questions corruption dans la convention interaméricaine qui garantit entraide judiciaire internationale. On a tant d'explications maître Newton Louis Saint-Just qui était parlé comme ça dans micro reporter nous Hervé Noël. Nous déposer jeudi à devant commissaire gouvernement on l'autre requête côté que nous mandons à travers l'UCREF, à travers l'ULCC, pour saisir les organes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment des avoirs et le crime financier en général, pour nous identifier bien Mounsayo, tout côté sous la terre. Parce que selon la convention que l'État haïtien signe, eh bien, et depuis où on a corruption, où on a blanchiment, il y a ce qu'on appelle la coopération, l'entraide judiciaire internationale, l'entraide policière internationale. Et ce n'est pas seulement Gafi, à Gafi que nous avons saisi dans le cadre de ça. Et Interpol tout a saisi. Et par exemple, dans les jours qui viennent, nous connaissons que Mounsayo a gagné des intérêts des biens en République dominicaine. Eh bien, nous pour l'adresser nous à la fiscalie de la République dominicaine, c'est-à-dire les parquets de la République dominicaine, Santo Domingo, pour et exposer le faire, pour dire faire attention, nous avons un bon bien en République dominicaine, une bonne transaction que vous faites en République dominicaine, et bien il faut vous suivre parce que vous avez des soupçons de blanchiment d'argent sous transactions. Et nous avons une loi, pour faire ça nous et loi, qui base côté nous appuyer pour nous loi, nous gagnons dans le pays à sous corruption, et permettre de faire du 9 mai 2004, et loi nous gagne sous blanchiment, nous faire, mais surtout les conventions onusienne et convention interaméricaine contre la corruption permettent que gagner ce qu'on appelle entraide judiciaire internationale, coopération judiciaire internationale pour capable détecter les faits de corruption, pour capable détecter surtout les faits de blanchiment des avoirs. Et pas oublier, dans la période, ça n'a pas été de 2006 à Jodia, eh bien, c'est ça que les populations comprennent, c'est le lien qui existe entre Petro-Caribé et César. Parce que, grand pile de tout, qui te traverse sous frontière avec l'argent Petro-Caribé, et ce qu'on prend sous Prival, qu'on prend sous Michel Martelly, qu'on prend sous Justin Privé, qu'on prend Jodia, sous Jovenel Moïse, eh bien, et soupçon ça, c'est des soupçons de générales pour capable permettre l'État haïtien récupérer l'argent qui sautent dans le pays, à, sous base de certaines informations, parce que ce qui arrive, l'on parle de blanchiment supposé que il y a des infractions qui te commettent, et vous prenez l'argent infraction pour faire l'autre transaction, faire l'autre bagarre, donc toute action qu'on fait pour capable de l'argent en statut propre, il y a ça, des faits de blanchiment. Donc la République dominicaine lit vraiment non, nous focus sur lui et selon l'information que nous gagnons, parce que des gens dans ce génère qui gagnent intérêt l'autre bois qui gagnent bien, et les États-Unis, côté que nous gagnons bien, en France, Canada, donc partout à travers le monde, parce que crimes financiers à travers le monde sont bagailles qui, et, comme Zimdadou, gagnent une rapidité pour transactions faites avec les technologies et communication qu'on a, et bien on a gagné là, ils font clic, et puis ils vont là jusqu'en Asie. Voilà, c'est Maître Newton Saint-Just. Donc, nous, le dossier a tout d'un coup la transformé, puisque demandé
entraide internationale, entraide judiciaire, et mandé UCREF à ULCC pour mobiliser contre blanchiment d'argent, donc mettre Saint-Just aller très loin dans l'accusation, côté à part accusation qui était faite déjà, quoi elle dit là, de venir ajouter l'autre et sous yo. Parce que invitation ça, nous connaissons, vous avez par dirigeant sous généraux, c'est accusation faux, usage de faux en écriture privée, et surfacturation, enrichissement illicite, association malfaiteur dans le cadre contrat courant, et c'est ça et qui était dit. Et convocation, c'est pour Jean-Marie Vob, PDG compagnon, Dimitri Vob, homme d'affaires tout le monde connaît, Reginald Vob, fils, Roger Lefebvre, Elisabeth Desbois-Préval, et mais tout, et pour deux anciens ministres, Daniel Dorsainville avec Franz Verilla, et puis et ancien directeur EDH, M. Raphaël. Dans ce qui concerne Franz Verilla, nous avons venu tout à l'heure avec position avocale exprimée qui justifiait le fait que le pas de répondre à convocation, les dénoncer pour faire plaisir au prince, commissaire gouvernement haïtien, à Roger Tête le doigt. Li à la fois juge et parti et commissaire gouvernement et puis juge d'instruction dans le dossier ça et dans ce sens ça yo vin avec des arguments juridiques convention et Haïti signé qui garantit droit tout monde qui apparaît devant la justice pour gagner un procès équitable mais dans cas ça avocat et monsieur Verilla fait connait pas gagne aucune garantie puisque commissaire gouvernement déjà menacé et dans invitation niveau et balire mais n'a pas premier campagne n'a retourner tout de suite.